Ça va, vous semblez bizarre ce que je vais dire, mais à quoi ça sert d'aller à l'école si on ne sait pas ce qu'on veut faire plus tard? C'est vrai, moi pour l'instant, je veux juste profiter de l'existence même. Je veux marcher, regarder les oiseaux passer, m'asseoir et écouter la pluie tomber. Des choses de vieux, quoi. Je veux simplement oublier l'argent et ses vices. J'ai même pas envie de savoir s'il y a quelque chose après la mort. Vivre au jour le jour. La phrase est devenue un peu nulle, mais je crois que c'est ce que je veux. Depuis que je suis né, j'ai l'impression de n'avoir rien choisi. Ça part de mes vêtements, au choix alimentaire, en passant par les sports que je pratique, j'ai l'impression que même mes rêves, je les ai pas choisis. Ils m'ont sûrement été inculqués inconsciemment par mes parents, mes amis, la télé, les livres, les discussions, mais tout ça me donne l'impression que ma raison d'être, bah, c'est les autres. C'est contradictoire avec l'envie de vivre le jour présent, mais je me pose sans cesse des questions. Est-ce que je vais réussir mes études? Est-ce que si je réussis, le métier d'après va me plaire? Est-ce que j'en aurai un d'ailleurs? Est-ce que je vais devenir libre? Est-ce que je vais devenir riche? Il paraît que c'est pas si dur. Et est-ce que je vais devenir musclé un jour? Mince. Je suis tombé dans le superficiel. Et pourtant, c'est ce que je déteste le plus. Parler pour rien dire, lancer des projets à tout va mais procrastiner à côté, être dans le plaisir immédiat comme manger au McDo ou traîner sur YouTube. Tout ça, ça me rend heureux sur le moment même. Mais moi, je veux vous parler du vrai bonheur. Je vous parle de ce moment qu'on a tous parfois. Vous savez, ce moment où on se remet en question et on commence à flipper sur notre avenir. Je pense que, même si ça nous fait peur, le bonheur se trouve derrière ce genre de réflexion. Ok, j'en ai marre d'attendre, de procrastiner, de laisser ma vie filer comme si j'en avais plusieurs. Je veux faire des grandes choses, je veux être grand, très grand. Je veux échouer pour progresser, puis exceller. Je veux me réveiller plus tôt pour faire des choses que personne ne fait. Je veux sortir de la masse, sortir de ma zone de confort, courir. Courir toujours plus vite, méditer, lire, étudier, profiter. Mais dites-moi qui a la recette pour devenir grand? Qui a la recette pour être heureux? Moi de base, je voulais juste être heureux.